Ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu dis provoque ce que tu as. Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple pour le peuple et par le peuple. Voilà, cette chaîne qui sera toujours plus proche de vous, qui vous partagera toujours des projets émergents, qui sera toujours au centre de vos attentes, qui sera toujours là pour vous aiguiller, pour partager avec vous des éléments importants qui pourront peut-être changer le cours de votre histoire. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Sachez que au quotidien, nous faisons ce qu'on appelle l'analyse technique, le décryptage des projets crypto. Voilà, et la chaîne Entrepreneur Web 3.0 est une chaîne qui vise à éduquer, à informer, à coacher, à sensibiliser, voilà, les uns et les autres sur les sujets crypto. Voilà, donc si cette machine t'intéresse, abonne-toi maintenant pour ne rien louper, car tu auras toujours de la valeur ajoutée sur cette chaîne. Voilà, ce matin, je vais m'attarder sur le Baby Doge. Voilà, nous allons voir ensemble, voilà, comment le Baby Doge est stable depuis une semaine. Voilà, on voit très très bien ici à l'écran la stabilité du Baby Doge. Voilà, il est stable. Cette semaine-ci, il n'a pas franchi la barre des 8,030. Il est resté entre 8,080 et 8,060. Voilà, 8,060. Voilà, 8,060. Au 8,070 à peu près. Voilà là où il est resté. Parce que le graphique ici nous montre très très bien. Voilà, on voit sur cette semaine-ci, on voit très très bien sur cette semaine-ci comment le projet s'est comporté. Voilà, ça veut dire que étant donné que nous sommes déjà, on approche déjà vers la fin du mois. Alors, sachez qu'il y a du brûlage manuel qui aura lieu le 1er avril de tout le mois. Et Baby Doge fêtera comme ça, c'est 10 mois. Baby Doge fêtera comme ça, c'est 10 mois. Parce qu'en juin, en juin 2022, il aura un an d'existence. Voilà. Alors, on va aller rapidement sur les différents réseaux. On va aller sur le site principal même, non pas sur le site principal, on va aller sur le Facebook, non pas sur le Facebook, on va aller sur le, oui, on va aller sur le Facebook, voilà, on va aller sur le Facebook pour voir s'il y a des informations qui peuvent être utiles pour nous, voilà, parce que c'est un projet qu'on suit de près, c'est un projet qu'on suit vraiment de près, voilà. On est sur Facebook ici, là. On a quoi comme information qui est nouveau? On a quoi comme nouvelle information? Non, on n'a pas ça. C'était le 13 mars. Non, il n'y a que les informations sur les NFT. Voilà. Les NFT qui ont été lancés depuis là. Voilà. On n'a pas d'autres informations nouveaux là-dessus. Là, ça, c'est juste les NFT. Voilà. Non, je vais aller sur la plateforme de cotation. Actuellement, pour avoir un milliard de Baby Doge, on va voir combien ça nous coûte. Pour avoir un milliard de Baby Doge, ça nous coûte combien? Baby Doge, ici, là. Baby Doge nous coûte combien? Un milliard de Baby Doge, ici, là. Voilà, on voit très très bien l'évolution du prix. Voilà. On voit ici la capitalisation boursière. Oui, on voit ici le volume d'échange. Le volume, on voit ici l'offre maximale. On voit ici. Ici on n'a pas l'offre en circulation. Bon, ici, on n'a pas. Il faut savoir que le Baby Doge est adossé sur deux blockchains. Voilà, la première blockchain ici c'était le BEP21. Le ERC20 était juste un pont. Voilà, parce ils ont mis une stratégie sur place vu qu'ils devaient lancer les NFT. Voilà, ils ont jugé nécessaire de créer la blockchain Ethereum. Voilà, de créer le protocole ERC20. Voilà, pour faire le pont. Donc, vu que la plupart des NFT, les meilleurs NFT sont vendus sur la plateforme OpenSea, et OpenSea est adossé sur la blockchain Ethereum principalement, y compris d'autres blockchains aussi. Voilà. Maintenant, si nous voulons 1 million de Baby Doge, ça va nous coûter combien? Ce matin, on va calculer avec vous ensemble. 1 milliard de Baby Doge. 1 milliard de Baby Doge actuellement. Nous coûte environ 2,81 €. Avec les frais, vous pouvez être à 3 $. À 3 $ avec les frais, voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit, voilà. Donc il n'y a pas vraiment grand chose à partager sur Baby Doge, sauf que nous sommes le 21, donc la fin du mois c'est dans quelques jours. La fin du mois c'est dans 10 jours, donc dans 10 jours Baby Doge fêtera son 9e anniversaire, voilà, non son 10e anniversaire temps pour moi. Son 10e anniversaire, il y a une quantité qui sera brûlée.
Donc, je vous ai montré dans la vidéo précédente comment vérifier le nombre de pièces déjà brûlées. Voilà, comment vérifier vos récompenses, vos réflexions. Voilà, donc si vous avez besoin d'une vidéo similaire encore, n'hésitez pas à mentionner cela en commentaire. Donc, je me ferai le plaisir de partager encore cette vidéo avec vous. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, si vous avez des questions, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à nous les référer en commentaire. Donc, retrouvons de l'autre côté. Bye bye.